Hey, bonjour, comment ça va? Ici Pasteur Timothée. La sagesse, c'est non pas de savoir faire, mais c'est d'avoir fait et vérifier que ça marchait. Je te le dis, il faut arrêter de penser qu'on sait ce qui est bon pour nous. Il faut se mettre à vivre ce qui est bon pour nous. Et ainsi, on aura les deux. On le saura parce qu'on l'aura expérimenté et on aura expérimenté de la bonne manière. Les gens savent ce qu'il faut faire pour être heureux. Je suis toujours surpris de ça. Tu demandes aux gens, hey, qu'est-ce que ça te prendrait de plus pour faire être heureux? Ah, moi, il faudrait que j'arrête de fumer. Ah, moi, il faudrait que je lâche la télé. Ah, moi, eh bien, la boisson, là, que je diminue grandement. Ah, moi, que je me remette à faire du sport. Les gens savent ce qu'il faut faire et pourtant, ils ne le font pas. Pourquoi? Ce n'est pas une question de ce qu'ils pensent ou de ce qu'ils peuvent savoir, c'est qu'ils ne passent pas à l'action tout simplement. Un petit pas aujourd'hui, deux petits pas demain, trois petits pas après-demain et ça va être fait. Bouge cette semaine et aujourd'hui. Fais l'appel que tu voulais faire. Celle qui te rend nerveux, fais-la. Fais cet appel. Envoie le CV là où tu veux travailler. Bouge, mets-toi à faire de l'exercice. Et tu vas voir, ta vie va changer. Tu peux même te marier, tu peux te fiancer, tu peux avoir le bébé que tu voulais. Tu peux mettre de l'argent de côté pour t'acheter une nouvelle voiture. Qu'est-ce qui t'empêche de débuter ici, maintenant, et dès aujourd'hui, dès demain? Ne reporte pas trop longtemps. Commence, va prendre une marche tout à l'heure et mets en place un projet d'action avec des petites étapes. Et à chaque jour, tu pourras te féliciter d'être maintenant dans la vraie sagesse, celle qui expérimente un savoir-faire qui réussit. OK? Je te laisse. Je te souhaite une belle journée. À très bientôt pour une autre capsule.